L'engagement de l'UNESCO est de promouvoir la diversité culturelle et de renforcer la portée géographique de l'ensemble de ses programmes et activités. Afin de renforcer la représentation géographique des villes dans le cadre du réseau des villes créatives de l'UNESCO, le cadre de coopération sera maintenu pour l'appel à candidature 2021. À quoi correspond le cadre de coopération et quel est son objectif ? Le cadre vise à renforcer la représentation des villes d'Afrique et des États arabes, qui sont actuellement sous-représentées dans le réseau. Des informations détaillées sur la définition de ces régions instituées par l'UNESCO sont disponibles dans le guide de candidature. Le cadre encourage les villes membres à soutenir les villes candidates de ces régions non seulement dans la préparation de leur candidature, mais aussi en cas de désignation pour faciliter leur intégration rapide et active dans les activités du réseau. Comment le cadre fonctionne-t-il ? Les villes intéressées à candidater, issues d'Afrique ou des États arabes, peuvent exprimer leur intérêt à participer au cadre de coopération auprès du secrétariat du RVCU, avant le 30 mars 2021. Après réception, le secrétariat mobilise les villes membres et les associe éventuellement aux villes candidates, avant le 9 avril 2021. Dans le cas où un binôme est établi, la ville candidate bénéficiera d'un appui technique de son homologue dans la préparation de sa candidature. Quel type de soutien est-il apporté ? Le soutien apporté peut consister en une assistance technique, un partage d'expériences, des conseils et des recommandations, des missions de terrain si possible, ou encore des partenariats, selon l'accord entre les deux villes. Le cadre encourage les villes associées à poursuivre leur coopération si la ville candidate est désignée. Le cadre de coopération vise à améliorer la représentation géographique au sein du réseau. Toutefois, veuillez noter que le cadre ne préjuge pas de la décision finale sur la désignation, qui est basée sur la qualité de la candidature. Votre ville d'Afrique ou des États arabes souhaite candidater ? Est-elle intéressée à participer à ce cadre ? Si c'est le cas, veuillez contacter le secrétariat du RVCU avant le 30 mars au mail sur l'écran. Pour en savoir plus sur le cadre de coopération, veuillez consulter le guide de candidature.